soul. I live for you alone. Every breath. Qu'est-ce le retour à la croix? Alléluia. Le retour à la croix. Hier, nous avons commencé. J'ai commencé à parler de ce message. Ce message qui, pour moi, est une grande priorité, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Je crois que nous devons investir plus de moyens dans ce message. Nous devons investir plus d'actions dans ce message. Plus de séminaires, plus de livres, plus de programmes, plus de films, alléluia, dans ce message. Davantage de choses dans ce message, pas pour pouvoir être approuvé des hommes, mais pour que la parole soit libérée. Nous sommes dans une période, une époque où beaucoup de personnes se meurent, mais nous croyons que la parole qui donne la vie, c'est la parole qui est attachée à la croix, alléluia. C'est pour cela que nous sommes là. Le fondement de notre séminaire, le verset de base dans la parole de Dieu, c'est Galates 1, 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de ce qui vous a appelé par la grâce. De celui qui vous a plutôt appelé par la grâce, c'est-à-dire Christ, à la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Au verset 7, non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, au verset 8, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit rejeté, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un nous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas 1000 évangiles, il n'y en a qu'un seul. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas 1000 messages pour nous amener au Père, il n'y en a qu'un seul. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas 1000 voies ou 1000 possibilités pour arriver, pour se confondre ou bien pour pouvoir plaire davantage au Père, si ce n'est que le message ou le message qui est attaché à la croix. Tout part de la croix. Tout commence avec la croix et tout doit rester sur la croix. Alléluia. Et c'est ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Déjà à cette époque, on suppose que c'était à l'an 33 ou l'an 34 ou l'an 35. Aujourd'hui, on est en 2018, presque 2020. Déjà à cette époque, on parlait des gens qui se sont détournés de la parole, du véritable message. Ce n'est pas aujourd'hui que ce message ne peut pas être d'actualité. Encore, ça doit être pire. Parce que plus on évolue, le monde se pervertit. Si la Bible nous dit clairement de ne pas nous conformer au siècle présent, c'est parce que ce siècle présent va de plus en plus se détacher, alléluia, du message de la croix. Le message de la croix n'est pas un message qui plaît, n'est pas un message qu'on aime, c'est pas un message qui attire, c'est pas un message qui capte les foules. Alléluia. C'est un message qu'on n'a pas besoin d'entendre. Les gens n'ont pas besoin d'entendre aujourd'hui que Jésus revient bientôt. Les gens n'ont pas besoin d'entendre aujourd'hui qu'il y a l'enfer. Les gens n'ont pas besoin d'entendre que nous avons bientôt, il y aura une sélection pour l'enfer ou soit pour le paradis. Ils n'ont pas besoin d'entendre. Quand je veux dire qu'ils n'ont pas besoin d'entendre, ils n'ont pas envie d'entendre cela. Alléluia. On a dit dans les derniers temps, ils vont se faire pour une foule de docteurs afin qu'on les enseigne ce qu'ils aiment, ce qui les conforte. Alléluia. Et je disais hier, jamais on trouvera une salle pleine de personnes lorsqu'on fera un message sur la croix et on dira que c'est 100 000, c'est 50 000, c'est 10 000 pour le badge. Les gens ne viendront pas. Ils ne sont pas intéressés par ça. Ce qu'ils veulent, c'est comment réussir dans ce monde, comment avoir du succès, comment avoir du succès dans leur famille, comment réussir leur couple, comment avoir des enfants, comment se marier, comment réussir leur entreprise. Aujourd'hui, nos assemblées se sont converties. Se sont convertis à des entreprises ou à des structures de développement personnel. Et c'est ce qui est plus là. On prêche beaucoup de choses pour que l'homme se développe. C'est bien. Ces choses-là, on peut avoir des fondements publics. Mais sans la croix, elles n'ont pas de vie. Si tu m'expliques comment je dois gérer mon foyer par la parole de Dieu, c'est bien. Mais cela ne va pas me sauver. Si tu m'expliques comment je dois réussir dans une entreprise, c'est bien. Mais cela ne va pas me sauver. Alléluia. Et on est arrivé à une période, à une phase où les messages tendent d'une manière très subtile
amener nos concentrations, à nous concentrer sur la terre, à capter notre attention au bien de ce monde et à ce monde. Alléluia. Il n'y a pas de ténèbres dans la lumière, ni la lumière dans les ténèbres. Il n'y a pas de possibilité. Les ténèbres et la lumière marchent de manière parallèle. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas d'hybride. On est arrivé à un niveau où l'église est très infiltrée, où les messages sont très modifiés. Et on n'a plus vraiment la vérité. Il n'y a plus de fondement de la croix. Vous allez vous rappeler, pour ceux qui ont l'habitude d'être, qui sont ici depuis longtemps, que même si je prêche sur le mariage, même si je prêche sur le travail, je ramène tout à Jésus. Je ramène toujours tout à Jésus. Il y a une partie qui vient te faire comprendre que tout cela ce n'est pas possible sans Jésus. Tout ça n'est pas possible sans que tu ne te sacrifies. Aujourd'hui, les gens veulent avoir Jésus pour pouvoir posséder. Alléluia. Pour pouvoir posséder. Or, ce qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas d'avoir Jésus pour posséder, mais c'est donner sa vie à Jésus d'abord. De pouvoir se sacrifier. Alléluia. On attend d'abord que Dieu fasse avant de lui donner notre vie. Or, le vrai ordre, c'est de donner d'abord sa vie à Dieu avant qu'il ne fasse. Alléluia. Et plusieurs messages sont centrés sur comment se développer, comment maîtriser, comment avoir un bon ministère, comment avoir un succès. Aujourd'hui, on est arrivé à un point de faire comprendre que quand tu es pauvre, tu n'as pas Dieu. Même si on ne dit pas clairement, quand quelqu'un n'est pas dans la réussite, on dit que lui là, Dieu n'est pas avec lui. Et c'est une manière tellement subtile, rentrée, ancrée dans l'esprit des gens. Pourquoi les gens remplissent les églises qui ont de beaux bâtiments où le pasteur semble être riche? Parce qu'ils se disent c'est tellement il a Dieu. C'est une grave erreur. Parce que dans des assemblées comme celle-là ou d'autres, où c'est des assemblées aussi simples, aussi modestes, qui est la puissance de Dieu. Il y a le message qui va te rapprocher de Dieu et transformer ton cœur. Transformer ta vie. La majorité de plusieurs qui sont ici ont fait beaucoup d'assemblées. Je les ai récupérés des bons païens pendant qu'ils sont convertis depuis des années. Je les ai amenés ici pendant qu'ils étaient convertis depuis des années, mais des bons païens. Pourquoi? Pas que cette assemblée est meilleure que les autres. Mais comprenez que le plus important, c'est que vous soyez transformés. À l'image de Christ. Mais on vous a longtemps enseigné comment vous devez régler vos problèmes. Aujourd'hui, quand vous voyez le pasteur, c'est comment je vais me marier, comment je vais régler mon problème, comment je vais sortir de ça, de là et d'ici. Au lieu de comprendre, mais comment je vais arriver à abandonner tout ce à quoi je suis attaché, qui ne plaît pas à Dieu. Comment je vais arriver à être à l'image de Christ? Parce qu'un chrétien est d'abord à l'image de Christ. Il est temps qu'on prêche et qu'on annonce la croix, qu'on prêche la croix et qu'on incite les chrétiens à retourner à la croix. Qu'on incite les chrétiens à oublier toute cette phase de succès, de réussite et à retourner à la croix. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout ce que vous voulez là, va vous être donné par-dessus tout. Mais ce que vous n'avez pas compris avec Dieu, notre Dieu est le consommateur de la foi. Il a besoin de consommer la foi avant de se manifester. Ce que vous n'avez pas compris avec Dieu, ce n'est pas un marabout. Si tu n'as pas donné ton cœur par la foi, les choses vont être difficiles. Alléluia. Tu veux avoir toutes ces choses. C'est la cerise, ce n'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est le salut. Tu ne peux pas jeter le gâteau et te ruer sur la cerise. Et c'est ce que les gens font. Ils sont centrés sur la cerise. Mais la cerise ne peut pas te rassasier. Concentre-toi sur le gâteau. Parce que ce pourquoi Christ est mort à la croix de Golgotha, ce n'est pas pour nous donner le bonheur sur cette terre. Si tu rentres dans ça, tu vas être moins fatigué. Tu vas aimer Dieu d'un amour plus pur. Parce que quand tu aimes Dieu sans intérêt, ta relation avec lui est plus stable. Mais quand ton Dieu, tu l'aimes parce que tu veux qu'il opère des choses dans ta vie, c'est plus difficile. Parce que Dieu prend le temps d'agir. Dieu agit selon sa volonté. Parce que pour construire des choses solides dans ta vie, il a des fois besoin du temps. Des fois, il est réactif, des fois pas. Le diable est réactif, c'est pour te tromper. Si tu crois, il le fera. Mais s'il n'a pas fait, il va le faire, mais persévère. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a besoin encore que tu crois un peu plus.
Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui fonde le message de la croix. Qu'est-ce qui fonde le message de la croix? Qu'est-ce qui fonde la doctrine de Christ? Pourquoi on parle de la doctrine de Christ? Parce qu'elle englobe les enseignements, les instructions, les commandements, les promesses et les prophéties de Jésus. C'est cette doctrine-là qui doit nous intéresser. La doctrine de Christ. Alléluia. 2 Jean 1, 9, on l'a lu hier. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Écoutez, qui va plus loin et ne demeure pas. On n'a pas dit, n'a pas commencé. Parce que beaucoup ont commencé par l'esprit, ils ont terminé par la chair. Je me rappelle de certaines personnes, leur départ avec le Seigneur, c'était une relation vraiment d'amour, concentrée sur le désir de plaire à Dieu. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de l'Église et des messages, ça a changé. C'est maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu doit faire? La Bible dit que celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui ne demeure pas dans cette doctrine celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc la doctrine de Christ, c'est les enseignements, les instructions, les ordonnances, les commandements et les promesses de Dieu. Les prophéties de Christ plutôt. Tout cela forme sa doctrine. Il est important que cette doctrine s'installe en nous. Il est important que la loi de Christ soit en nous. Mais tout cela est fondé sur la croix. Alléluia. Cette doctrine, nous devons le porter en nous. C'est en cela que nous serons des véritables chrétiens. Alléluia. Parce que celui qui n'a pas la doctrine de Christ en lui, il sera facilement détourné par le diable. Vous savez, aujourd'hui, le diable ne détourne pas d'une manière brutale. Il te donne de manière subtile. Si tu n'as pas la doctrine de Christ, quand vous commencez à t'amener dans des choses qui ne sont pas de la doctrine de Christ, tu vas seulement glisser dedans. Mais quand tu as la doctrine de Christ dans ton cœur, arrive un moment, tu sens que Dieu n'est plus dans cette affaire. Parce que le diable travaille dans ces derniers temps avec la subtilité. C'est pour ça qu'il est très important pour nous dans les derniers temps de prier pour avoir un discernement plus aiguisé des esprits. Alléluia. Plus aiguisé. Alléluia. Et ceux qui n'ont pas la doctrine de Christ en eux, ceux qui n'ont pas ce fondement du message de la croix en eux, sont subtilement détournés. Quand vous voyez ce qui se passe dans certaines assemblées, quand vous entendez ce qui se passe dans certains messages, vous avez envie de pleurer. Vous dites, mais comment les gens puissent se faire avoir aussi facilement? La Bible dit en Éphésiens 4, 14, il dit, nous devons avoir la doctrine de Christ en nous, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emporté par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, il y a une doctrine qui a commencé à s'installer un peu, la doctrine de la polygamie dans l'Église. Polygamie. Il y a des gens qui nous suffisent par la Bible. Avec la Bible, on peut tout justifier, je vous assure. Je vais te dire ça pour déjà que tu changes. Il ne faut pas te faire, quand quelqu'un ouvre la Bible, il ne faut pas seulement dire qu'il a ouvert la Bible, donc tout ce qu'il dit est vrai. Mais si tu fais une démonstration spectaculaire, parce qu'il y a des gens qui te font des démonstrations tellement spectaculaires que tu peux dire non, ça vient de Dieu. Avec la Bible, on peut tout justifier. On peut tout justifier. Tout. Si tu prends Abraham, tous les Abraham que vous aimez énormément, tous les, je ne sais pas qui, tous les Jacob que vous aimez, tous les Salomon que vous aimez, tous les Samson, ainsi de suite, vous n'avez pas de bonnes vies. Mais Dieu est avec eux. Donc quelqu'un peut te démontrer que mais toi aussi tu peux être polygame. Alléluia. Il y a une doctrine de la polygamie qui est en train de prendre. Et qui est en train de prendre, il y a des églises où des pasteurs ont plusieurs femmes. Et ces églises-là sont complètes. Pourquoi? Parce que la doctrine de Christ n'est pas installée dans le cœur. Quand tu as le message de la croix dans ton cœur, on ne peut pas te le dire. Quand tu écoutes un message, tu dis, bon, ça, c'est un fondement de la croix. Parce que tout doit ramener à Christ. Tout. Si on t'a pas comment te développer, est-ce que tu te développes pour Christ? Mais les gens écoutent des enseignements, on leur montre toutes les stratégies pour être, mais pour être sans Christ. Et non pas à l'image de Christ. Développement personnel est rentré très infiltré dans l'église. Je vous ai parlé hier de la vidéo de Benny Hinn. On la verra certainement pas aujourd'hui mais demain. Parce que je veux parler de ça, je ne veux pas parler de ça. Où il est en train de dire, nous avons prêché un évangile de prospérité.
Et nous ne l'avons pas prêché comme Dieu veut que nous la prêchions. L'évangile de prospérité, la prospérité n'est pas contradictoire à la Bible, c'est ce qu'il disait. Dieu veut que nous prospérons à tout égard comme l'état de notre âme. Alléluia. Donc ce n'est pas mauvais de prospérer. Mais il dit que nous avons prêché des choses de telle sorte à pousser les âmes à chercher un jet privé, à chercher une voiture, à chercher un mariage, ainsi de suite. Et il disait, priez pour moi. Et il ajoutait, priez des vraies prières pour moi. Il a 68 ans. Amen. Tu lis le grand prédicateur, 17 de détournés. Qui sommes-nous pour ne pas veiller sur notre marche? Pour ne pas faire très attention à tout ce qu'on écoute. C'est pour ça que faites attention sur Internet. Avant d'écouter des messages, avant surtout d'écouter des hommes de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont le cachet de Dieu. Vous sentez qu'ils ont le cachet de Dieu. Mais il y a des gens, il ne faut pas les écouter. Si on t'envoie un message pour la première fois, prie avant d'écouter. Parce qu'aujourd'hui, le diable travaille beaucoup dans la séduction. Et surtout dans la subtilité. Alléluia. Flottant et emporté par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Moyens de séduction. Dieu me dit que tu vas réussir. Amen. Dieu me dit que tu vas te marier. Mais le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un dans cette salle-là qui va voyager. Amen. En quoi ça te rapproche de Christ? En fait, il faut comprendre. Arrêtons de sortir. Je vous assure, j'ai vu un homme de Dieu qui fait ça ici là. On va lui faire la honte. Alléluia. Je ne sais pas dire amen. Je vais aller m'ajouter pour le gifler avec. Si Dieu me dit tu vas voyager, on le regarde. Mon frère, dis-nous comment on va se rapprocher de Jésus. Laisse à faire des voyages. Nous on veut voyager au ciel. Parce que tout ça, c'est de la séduction. Vous savez, je n'ai pas besoin d'être prophète pour commencer à dire ce que chacun désire ici. Je n'ai pas besoin. Les problèmes que vous avez ici, on a les mêmes problèmes partout. Mariage. Guérison, forcément. Hein? L'argent, forcément. Je sais que quelqu'un a besoin d'argent cette semaine. Cette semaine-là même, tu veux que Dieu débloque quelque chose. Quand je vais dire, tu as dit prophétie, ok, je sais. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de l'argent cette semaine. Amen. Il y a toujours. Tu as dit, amen, tu vas saisir sa vie, gloire à Dieu. Tu vas avoir ou tu ne vas pas avoir. Mais ce n'est pas pour autant que la personne peut te rapprocher de Dieu. Arrêtez de chercher, de courir derrière tout ce qui est surnaturel dans le type de la séduction. Manifestez le surnaturel pour le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour séduire les gens. Il guérissait les malades. Il ramenait tout le monde à la parole. Alléluia. Nous parlons maintenant des fondements de la doctrine, du message de la croix. Hébreux 6, 1 nous dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Je ne vais pas parler de ça. Mais dans ce verset, nous voyons déjà qu'il y a un fondement. Et ce fondement parle alors du baptême, de la foi, le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la position des mains, de la résurrection des morts, du jugement dernier. Tous ces éléments font partie du fondement du message de la croix. Alléluia. Mais on va décortiquer ces fondements sur les plus importants. Quels sont les premiers fondements? Le premier fondement du message de la croix, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Si on te parle de Jésus-Christ, sans te parler de Jésus-Christ ressuscité, on n'est pas en train de te parler complètement d'un fondement important du message de la croix. Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Parce que Jésus-Christ seul ne suffit pas. Il a accompli une œuvre à la croix qui nous permet de parler du message de la croix. Tant qu'il n'était pas crucifié et qu'il n'était pas ressuscité, tant qu'il n'était pas crucifié et qu'il n'était pas ressuscité, ce n'était pas encore terminé. Rien n'était accompli. Le voile s'est déchiré. Est-ce que vous avez compris pourquoi le voile s'est déchiré? Le voile s'est déchiré pour nous donner accès à Dieu. Le voile s'est déchiré pour que quiconque au travers de Christ ait maintenant accès à Dieu. Avant, c'était des privilégiés qui avaient le droit d'aller dans le lieu saint. Mais aujourd'hui, nous tous, nous avons le droit, la capacité d'approcher Dieu, de rentrer dans le lieu saint. Alléluia. Le message de la croix.
Jésus-Christ est Jésus-Christ plutôt crucifié. On a lu ce verset hier, 1 Corinthiens 1, 24. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Bon, c'est pas cela qu'on a lu. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Il est en train de dire l'apôtre Paul, nous prêchons Christ crucifié. C'est-à-dire l'apôtre Paul, quand même vous lisez dans la Bible où il réglait les problèmes de couple et tout ça, c'est parce qu'il y avait des problèmes qu'il pouvait en parler. Mais ce n'était pas ça son message. Amen. C'est parce qu'il y avait des situations qui pouvaient dire, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Oh, vous deux, soyez en accord. Vous, si vous faites cela, ne faites pas ci. Mais sinon, ce qu'il avait dans sa bouche, c'était Jésus-Christ crucifié. C'était ça, ce qu'il portait. C'est ce qui faisait de lui l'apôtre. Il était l'apôtre d'un message, un seul, je l'ai dit hier, Jésus-Christ crucifié. Vous ne verrez pas dans la Bible où il prendra le temps sur les autres choses. Il va parler du retour du Seigneur. Il va parler du sacrifice de la chair. Il va parler de marcher par l'esprit. Tout cela sont en concordance avec le message de la croix. Alléluia. Et nous avons l'autre verset que nous avons lu hier, 1 Corinthiens 2, 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, le premier fondement, le fondement du message de la croix, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tout a commencé à la croix. C'est parce qu'il est parti mourir, donner sa vie à la croix et qu'il a été ressuscité le troisième jour. Qu'on parle de la croix, que la croix est un impact sur nos vies. Si ce n'était pas fait, rien n'était possible. C'est ce sacrifice-là qui nous permet de parler de la croix aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas une croix physique que nous allons porter. Ce n'est pas une chaîne. Ce n'est pas une croix sur la tête. Ce n'est pas une croix à faire quand on veut manger. Ce n'est pas une croix qui nous protège. C'est ce que d'autres pensent en fait. Une croix physique qu'on porte pour être protégé. C'est un acte qu'il a posé afin de nous donner la vie éternelle, afin de nous permettre d'avoir accès à Dieu. Alléluia. Le message de la croix ou le mystère de la croix part de Jésus et de Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Il a posé un acte important à la croix de Golgotha. Le diable ne voulait pas qu'il se sacrifie. C'est pour ça qu'il a dévancé avant qu'il ne se sacrifie, pour lui proposer le royaume de ce monde, pour lui proposer la réussite. Ils ont voulu faire de Jésus-Christ un roi. Il a refusé. Mais pourquoi aujourd'hui on nous enseigne des messages pour que nous régnions sur la terre? Il n'était pas venu pour régner sur la terre. Alléluia. Ce n'était pas son but. Il était venu faire la volonté de Dieu parce qu'il disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Accomplir sa mission. Aujourd'hui, on t'envoie sur la terre pour une mission et tu te détournes de la mission pour te concentrer sur tes ambitions personnelles. Et c'est ce que plusieurs font. Je veux me marier. Je veux construire ma maison. Je veux avoir ma voiture. Il faut que je sois le meilleur de ceci. Il faut que j'atteigne. Peut-être que le verset, tu ne seras pas à la tête, tu ne seras pas à la queue, tu seras à la tête. Et devenir maintenant l'hymne national de toutes les personnes qui sont beaucoup centrées sur le développement personnel. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut qu'on soit sauvé. Il veut qu'on soit sauvé au temps de l'avènement de son fils, du retour de Jésus. Si tu es à la tête et que tu es resté, ça te sert quoi d'être à la tête? Qui pourra porter une maison pour partir avec? Même si tu as le plus grand ministère du monde, ça te fait sert à quoi si tu rates le ciel? À rien. Il faut recalibrer nos ambitions. Il faut revoir ce qui brûle dans nos cœurs. Ce que ce à quoi nous devons travailler toujours, c'est d'être transformé de plus en plus à l'image de Christ. Transformé de plus en plus à l'image de Christ. Christ a manifesté le fruit de l'esprit. Il était amour, il était patience, il était tempérant. Alléluia. Il avait le fruit de l'esprit manifesté en lui. On doit travailler tous les jours. Si tu travailles de plus en plus à ressembler à Christ, alors tu vas manifester tous les dons qu'il avait. Tu vas manifester les dons de Christ, les dons de l'esprit. Mais pas pour ta gloire, parce qu'une seule personne mérite d'être glorifiée. C'est l'Éternel des armées. Ça veut dire, revenons quoi? Arrivez un moment, arrêtons de jouer. Arrêtons quoi? Arrêtons. Et quand l'homme de Dieu, le pasteur béni, c'est un pasteur, je ne connais pas bien son titre. Ce pasteur, mais quand il parlait, il dit, on a été éduqué comme ça, dans notre histoire de prospérité.
C'est comme ça qu'on était dedans. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'est trompé. Dieu l'a dit, ce n'est pas tout à fait ce que tu es en train d'enseigner. Eux, beaucoup sont nés dans l'église de la mauvaise manière. Ils aiment Jésus, mais ils n'ont pas compris le message de la croix. Il y a la majorité des églises, 80%, 70%, pour ne pas trop étager, des personnes ne comprennent pas le message de la croix. Ils sont à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Je vous disais hier, tout le monde parle de la Noël, mais on ne connaît pas Jésus. On connaît très bien la Noël. On connaît bien le Père Noël. On sait à quoi il ressemble. On connaît bien. On n'a jamais dépensé autant d'argent qu'à la Noël. Mais on ne connaît pas Jésus. Or que la Noël est censée être fondée sur Jésus. Amen. Est censée commémorer le jour de la naissance de Jésus. Mais tu dis à un Français, qui est Jésus? Mais c'est qui Jésus? Mais tu fêtes la Noël, tu connais bien la Noël. Et cela montre clairement comment les choses évoluent. Et que Christ est jeté dehors et pas en train d'avancer. Ça veut dire que vous êtes en train de vouloir partir dans un bar, ou bien je ne sais pas quoi, pas dans un bar, mais dans un grand château. Et puis celui qui a la clé, vous le jetez dehors. Vous vous embarquez maintenant en train de partir. Vous allez rentrer par où? Il est la clé. S'il n'est pas dans ton embarquement, tu vas rentrer par où? Soit disant pour commémorer Jésus, la naissance de Jésus. Il n'est pas dans la Noël. Il n'y est pas du tout. Il faut dire à vos enfants que Papa Noël n'existe pas. Apprenez-leur à connaître Jésus. Alléluia. Noël n'existe pas. Amen. Donc il a Jésus et Jésus-Christ crucifié. Ce tacha qu'il a posé sur la croix. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est ça l'acte que Jésus a posé. Nous sauver. Nous étions perdus. Il n'était même pas venu d'abord pour nous les païens, pour nous qui n'étions pas juifs. Mais nous avons eu la grâce de rentrer dedans. Mais c'est nous qui transportons maintenant l'histoire de Jésus là pour dépasser la vraie histoire de Jésus. Quand j'étais en France, je vous assure, les Africains, je vous assure, je suis africain, j'aime être africain. Je suis content que Dieu m'a donné la peau africaine. Je n'ai pas de problème avec. Je ne suis pas complexé du tout de l'Afrique. Mais ils exagèrent quand même là-bas. Ils exagèrent. Je suis la peau blanche. Mais vous avez pris Jésus pour en faire je ne sais pas quoi. C'est comme si Jésus vient des bois sacrés de l'Afrique. Ils prennent Jésus là comme un autre niveau. Mais quand ils observent très bien, ce n'est pas leur passion pour Jésus. C'est la manière dont ils peuvent user de Jésus pour atteindre leurs objectifs. Quand tu vois un culte africain, tu n'arrives pas à faire la différence entre un culte et un rituel. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas saines, qui ne sont pas dans la simplicité du culte. Tellement on a tout mis la culture, les pratiques africaines dans Jésus. On a tout transformé pour continuer nos bêtises d'avant. Alléluia. Vous pensez que les apôtres, ils adoraient Dieu dans toutes les choses qu'on faisait? Dans toutes les pratiques que les gens font? De fois, tu es dans un culte, tu as l'impression d'être dans un rituel. Ou dans une initiation. Amen. Faites très attention. Ne cherchez, ne courez pas derrière les superflus. Ne courez pas derrière les manifestations bizarres. Dieu est dans la simplicité. Et ce dans quoi Dieu se manifeste, c'est sa parole. Ce n'est pas les manifestations. Ce n'est pas les trucs où on fait l'acrobatie, où on te jette la pochette. Il s'est mouché avec et il te jette ça dessus. Et toi, tu tombes sur l'onction. Même si tu n'as pas d'onction, il n'y a rien qui t'est passé à toi. Tu tombes quand même. Non, arrêtez. Revenons à la croix. Revenons à la croix. Alléluia. Revenons à la croix. On est trop allé loin. Jésus lui-même, il avait le message de la croix dans sa bouche. Il n'était pas encore crucifié. Il disait que je vais mourir à la croix et je vais ressusciter le troisième jour. Lui-même, il parlait du message de la croix. Lui-même, il savait qui il était.
Il est le roc. Il est la pierre angulaire. Angulaire, c'est une pierre. Si elle n'est pas là, rien ne tient. C'est ça une pierre angulaire. Si elle n'est pas là, rien ne tient. Si Jésus n'est pas dans ta vie ne peut pas tenir. Si Jésus n'est pas dans ton ministère, il va peut-être explosif, selon les hommes. Mais Dieu ne sera pas dedans. Quand on avait cette expérimentation, je crois que c'est Élie. Je crois. Lorsqu'il y a eu les tonnerres et les tremblements de terre. Et il y a certains qui ont ce genre de ministère, de tonnerre et de tremblements de terre. Mais Jésus n'était pas dedans. Dieu n'était pas. Il était dans ce qui était léger. Un vent, tout. Un murmure. Quelque chose de simple. Alléluia. Amen. Jésus, il est le sauveur. Il est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Rien ne peut être tenu sans lui. On ne peut pas parler dans l'église sans revenir à Christ. Même si tu veux enseigner au couple comment pouvoir être en harmonie, comment gérer un foyer, mets Jésus au milieu. Parce qu'un foyer sans Jésus ne peut pas tenir. Ça ne peut pas être possible. Il faut leur rappeler qu'ils doivent faire toutes ces choses, pas pour pouvoir plaire à l'autre, mais pour plaire d'abord à Dieu, à Christ. À cause du sacrifice à la croix qui a fait d'eux des nouvelles créatures, ils ne peuvent plus se comporter comme ils sont. La Bible a dit d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, c'est-à-dire, on doit avoir une attitude qui est toujours en phase, qui part toujours de Christ. Mais si on a une attitude qui part de nos raisonnements, qui part de nos calculs, on va te dire non, si tu veux que ton couple soit en harmonie, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Oui, c'est bien, ça va t'aider, parce que le développement personnel n'est pas mauvais. Les gens réussissent avec. Alléluia. Mais sachez que tout ce qui n'est pas profondément Christ n'a pas la vie. Donc vous voyez, les gens, ils réussissent après, ils sont remplis d'eux. C'est-à-dire qu'ils étaient bien, très simples, très humbles au départ. Mais à cause d'avoir utilisé des choses sans Jésus, ils ratent le ciel. Il y a des églises quand vous partez. Moi, j'ai fréquenté des églises avant. Vous êtes avec des frères et des soeurs, vous avez l'impression d'être encore dans le monde. Parce qu'il y a encore tellement de sentiments, tellement de réactions, tellement de caractères, tellement de conflits, que vous réalisez que tout ce qu'ils reçoivent n'est pas empreint de vie. Si Jésus est dans ta vie, la première chose qu'il fait, c'est de transformer ton caractère. Si ton caractère n'est pas transformé, le message que tu reçois ou que tu acceptes, parce qu'on peut te donner et tu peux refuser de l'accepter quand j'ai parlé des fils, toi tu es transformé. Alléluia. Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Le deuxième fondement du message de la croix. Le deuxième fondement, c'est la sagesse au travers de la folie. La sagesse au travers de la folie. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 1, 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Croire que Jésus revient, croire qu'il est mort pour nous sauver, c'est une folie. C'est une folie pour ceux qui meurent. C'est une folie. Il y a le temps que tu prends pour t'asseoir dans un enseignement. Tu es là pour croire, pour Jésus. Parce que je ne suis pas en train de te prêcher comment tu vas réussir. Je ne suis pas en train de te prêcher comment tu vas te marier. Je suis en train de te parler de Jésus. Le fait que tu accordes ton temps, que tu prennes le temps de dire, moi je ne couche pas les hommes, je préfère me garder jusqu'au mariage à cause de Jésus. Moi je ne fais pas, je ne rembourse pas le mal qu'on m'a fait. Je rends le mal par le bien à cause de Jésus. C'est une folie. Certains d'entre nous ont été contredits par des gens pour dire, mais toi comment tu peux te comporter, tu es trop bête. Reste seulement, tu vas voir. Parce que le monde a compris que le plus important, on n'a pas longue vie, il faut profiter au maximum. Mais qui vous a dit que tout le bonheur que tu vas vivre va être collé sur toi? Rien ne peut satisfaire l'homme. Rien. Rien. Même la chose que tu désires le plus dans ton cœur, quand tu l'auras, peut-être un peu plus, après ça ne te dira plus rien. Le seul vide dans notre cœur, c'est Jésus. Le sentiment d'être vraiment très en paix, très joyeux, même de voir quand tu es dans des problèmes, c'est quand tu as Christ.
folie pour ceux qui périssent. De croire que quelqu'un reviendra nous prendre. Et à cause de cette personne, de modifier sa vie, de modifier sa manière d'exister, de changer ses choix pendant qu'on ne l'a pas vu. C'est une folie. Alléluia. C'est une folie. Dieu se sait toutes les envies qu'on a dans notre cœur. Amen. Dieu se sait. S'il est arrivé, si vous direz pardon, cette histoire de quoi là, ça ne c'est pas bon. Laissez, je vous laisse même 2 jours de liberté. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Même moi, mais je ne serai pas miséré. Amen. Amen. Tandis qu'on a tout le problème, on a beaucoup d'envie. Oh. Mais on ne les fait pas à cause de Jésus. Je vais négocier un contrat, on me dit, vas-y, vas-y. Fais pour avoir ça, donne ça, fais. Je dis non, à cause de Christ. Et les gens disent, mais lui, il est bête. Tout le monde fait ça ici. Amen. Lui, il est bête, tout le monde fait ça ici. Tu es là, tu es une belle fille. Il y a un gars boss qui vient s'arrêter à côté de toi, mais sauf qu'il est marié. Oh, viens, tu vas être ma petite. Je vais te donner au moins 2 millions par mois. Tu dis non. Et puis t'as commis, mais toi, tu es bête, hein. Allez, ah, viens ici. Tu ne veux pas être Jisa. Les Jisa ont beaucoup plus d'argent. Est-ce un truc que la personne est bête? Tu es avec ta fiancée, tu ne la touches pas. On dit, ceux-là sont trop bêtes. Nous, qu'est-ce qu'on n'a pas dit à moi et ma femme? On nous prenait pour des dingues, en fait. Parce qu'on en a décidé jusqu'au mariage. Mais voilà, vous êtes fous, hein. Alors, est-ce que vous pensez que ce n'est pas bon? On ne sait pas grave, pas la foi, hein? Ça va être bon. Alléluia. Mais c'est une folie. C'est une folie. Alléluia. Et se fonder dessus. On doit être fou pour Jésus. On doit nous prendre pour des fous. Si les païens se trouvent, sois à l'aise avec toi, c'est que tu n'es pas encore fou. Parce qu'arrivé un moment où tu te dis non, toi, tu as un problème. Et puis tu as dit non, tu n'as pas de problème. C'est Jésus, ma folie. C'est Jésus, ma folie. Mais tu es là, tu te confonds. Là, il y a un problème. Le message de la croix, c'est la sagesse au travers de la folie. Alléluia. Ce sacrifice-là ouvre nos pensées à la sagesse divine. Nous donne la capacité de penser autrement. Pendant que le monde regarde des choses, que les scientifiques disent, bon, il a ce problème parce que, nous on comprend pourquoi c'est là. Nous on sait pourquoi c'est comme ça. On connaît les vraies raisons. On entre dans une dimension d'une sagesse que le monde n'a pas. Alléluia. Que le monde n'a pas. Tu vas voir des grands scientifiques te mettre devant toi. Il va te raconter toutes ces choses. Et quand tu vas lui dire, au nom de Jésus, je te proclame que d'ici 2 jours, telle chose va t'arriver, il va dire, mais toi, tu es fou. 2 jours, ça va lui arriver. Et puis, il va s'étonner. Il sera confondu. Hein? 1 Corinthiens 4, 10. Nous sommes fous à cause de Christ. Nous sommes fous à cause de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis fou à cause de Christ? Les folles étaient plus forts. Hein? Je suis fou, les hommes vous disent, à cause de Christ. Mais dominez les hommes. Je suis fou à cause de Christ. Je suis folle à cause de Christ. Oh, les hommes sont écrasés, c'est pas grave. Alléluia. Mais vous êtes sage en Christ. Amen. Vous êtes sage en Christ. Alléluia. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés. Et nous sommes méprisés. Alléluia. À cause de Christ, on nous prendra pour des fous. C'est le message de la croix. C'est-à-dire que c'est un message invraisemblable. Quand Jésus était en train de le dire, je vais mourir et monsieur le troisième des gens, mais lui là, oh, blasphème. On voulait le tuer en même temps. Mais est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Ça s'est passé, ils ont été confondus. Tant que tu t'attaches à Christ, tous ceux qui te méprisent, tous ceux qui prennent pour des fous seront confondus. Seront confondus. Parce que ta folie en réalité cache une sagesse puissante. La sagesse divine. Alléluia. Quand Christ va revenir, c'est là qu'ils comprendront que, ah, mais ma petite, elle était sage. Mais ils n'auront pas le temps de te dire, parce que tu étais déjà. Après, on est en un clin d'œil. Il va te dire ça à quel moment. Ils vont souvent dire, mais elle était sage. Pendant que nous faisions les 10 ans, on faisait les bêtises, on arrachait l'argent. Voilà, elle s'est gardée, il s'est gardé. On les prenait pour des bêtes qui ne profitaient pas du monde, avec toutes ces belles choses dans le monde. Mais en fait, non. C'est eux qui avaient raison. Alléluia. Le message de la croix, c'est un gain à travers la perte. Un gain à travers la perte, le troisième fondement. Un gain à travers la perte. On n'enseigne pas assez cela aujourd'hui. Un gain à travers la perte. Ça veut dire quoi? Prêt à tout perdre
pour obtenir. Prêt à renoncer à tout pour obtenir. Prêt à tout perdre pour obtenir. Quand Jésus est arrivé, vous imaginez avec la sagesse qu'il avait, avec la puissance qu'il avait. Imagine que d'un coup tu te lèves et tu as tout ça d'un coup. Tu es sûr que tu vas refuser d'acheter un jet. Est-ce qu'une malade, le sida, c'est vrai, il n'était pas à l'époque de Jésus, mais est-ce qu'il pouvait te résister à Jésus? Non. Imagine quelqu'un qui peut guérir toute maladie. Est-ce qu'il peut être pauvre? Non. Il ne peut pas. Est-ce qu'il peut être un petit? Il va même être le président du monde entier. Parce que Jésus n'avait pas besoin de jeûner pour libérer. Il n'avait pas besoin de dire au malade, va d'abord jeûner 3 jours. S'il t'a croisé, c'est que ce jour-là, c'est fini pour toi. C'est fini pour ta maladie. Imagine une personne comme ça dans notre époque. Il va forcément être riche. Il va forcément être célèbre. Ils ont voulu faire de lui un roi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce qu'on me promet dans les cieux, ce que je vais gagner, est plus grand que ça. Quand tu veux rentrer dans le message de la croix, ça doit être dans ton esprit. Mais les hommes ne croient pas. Je ne suis pas en train de dire, par exemple, faites attention, il y a une nuance. Je ne suis pas en train de dire qu'on est bon chrétien quand on est pauvre. Non. Non et non. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire seulement qu'il faut que les aspirations de notre cœur soient en haut. Soient à la recherche des choses qui glorifient Dieu. Si tu te tracasses la tête parce que tu aspires aux choses qui élèvent, alors tu es en train de te tromper. Tu n'es pas en train de conduire par le message de la croix. Alléluia. Donc, un gain au travers de la perte. La Bible dit en Luc 14, 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est pour cela que quand le jeune dit, je suis venu auprès de Jésus pour dire, Seigneur, comment je vais faire pour être sauvé? Il a dit, parti tout à l'heure. Il dit, j'ai tout fait. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, vends tout tes biens. Tu suis le pauvre et tu vas être riche. Tu vas réussir. Tu vas obtenir. Alléluia. Le ciel, sur cette terre, rien ne peut égaler notre accès au ciel. Rien. Rien ne peut combattre pour celui qui a reçu vraiment Jésus la croix dans son cœur. Rien. Nous savons que le ciel est la chose, la bénédiction la plus suprême qui puisse exister. Rentrer au ciel. L'apôtre Nyango est en train de parler. Il dit qu'il a fini de faire ses expériences. Il a fait plusieurs expériences dans le ciel. Et tous les jours, jusqu'à il se levait le matin, qu'il était encore sur la terre, ça lui faisait mal d'être encore là. Et sa femme était fâchée. Elle dit, quoi, tu veux déjà partir? Elle lui a dit, pardon, là, depuis que je suis parti, combien de fois, je ne veux plus rester ici. Et moi, je sens ça. Je sens que le ciel est tellement beau. Le monde pense avoir des choses merveilleuses, mais il n'y a rien qui peut égaler le ciel. Alléluia. C'est le fondement du message de la croix. Nous devons amener les âmes à perdre pour obtenir la vie éternelle, pour obtenir de Dieu. La Bible dit que quand tu renonces, il va d'abord te donner tout ce que tu as abandonné dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, tu donnes le salut. Je t'assure, tu as quitté ton mec, c'est bien. Tu vas souffrir un peu dans la solitude, c'est bon. Ça va être un peu difficile. Ça, c'est le message de la croix. Mais Dieu te donne un mari. Alléluia. Mais tiens, dans les choses bizarres. Et pas en train de dire que Dieu va te donner un mari. Mais comment Dieu va te donner un mari si tu ne payes pas le prix du message de la croix? Amen. Dieu va te donner. Dans le siècle-ci et dans le siècle à venir, c'est perdre pour avoir. Perdre pour avoir. Je suis dans sa parole en Marc 10, 29. Je vous dis en vérité, il n'y a personne ayant quitté à cause de moi. Parce qu'il faut préciser, à cause de Jésus. Et à cause de la bonne de la parole de Dieu, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. C'est ça le message de la croix. Abandonner. Et par la foi de Dieu, Dieu va renouveler. Laissez tout ce que nous n'honore pas. N'aie pas aspiré aux choses qui élèvent. N'aie pas être en concurrence avec les gens qui réussissent. C'est ça le message de la croix. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, gloire à Dieu pour eux. Un jour, Dieu me fera grâce. Mais je continue dans la voie qu'il honore.
et je fais tout ce qu'il veut que je fasse. Dans ce siècle, au centre, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Je vais parler de ça après. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. La croix nous prépare à recevoir en nous, en nous forçant d'abord à abandonner. La croix nous prépare à recevoir en nous forçant à tout abandonner. Quand tu viens à Christ, tu dois te dépouiller de tout ce qui ne nous glorifie pas. On ne peut pas te laisser dans l'état dans lequel tu es et te presser un message pour savoir comment tu vas gérer ton couple. Il faut que tu renonces d'abord à ton cœur. Il faut que tu renonces d'abord à ton moi. Il faut que tu renonces d'abord à beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. Tu ne peux pas être comme tu es et avoir toutes les choses que tu as qui ne glorifient pas Dieu et vouloir continuer. Il faut que tu ressentes qu'il y a des choses que tu dois abandonner. Il faut qu'on te l'enseigne. Amen. La croix, c'est gagner en perdant. C'est ça le fondement du message de la croix. Gagner en perdant. La Bible dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. Même de manière spirituelle, il faut renoncer à certaines choses. Alléluia. Cherchez premièrement la justice, le royaume et la justice de Dieu. Toutes les choses vous seront pardonnées par-dessus tout. C'est de ne pas se concentrer sur les choses de la terre. Le quatrième fondement, la puissance à travers la faiblesse. Les gens pensent que lorsqu'on accomplit la parole de Dieu et qu'on fait ce que Dieu dit, on est faible. Des fois, les gens riches, certaines personnes que nous côtoyons de temps à autre, nous regardent des fois avec mépris. Parce que on roule notre vieille voiture fatiguée, accidentée. Et quand ils nous regardent avec mépris. Mais ils ne savent pas que nous, on les regarde avec pitié. Quand moi je les vois, j'ai pitié. Parce que je sais que tout dans ce monde n'est que poursuite de vent. Du vent. Et personne ne peut attraper ce vent. Alléluia. Ils nous regardent avec mépris. Oh, cela allait Jésus. Ils sont malheureux. Il y a des gens qui ne viennent pas à Jésus parce qu'ils trouvent que les chrétiens sont trop pauvres. Je vous assure, et puis vous dis, hein, c'est toujours les chrétiens, toujours en train de quémander, toujours en train de demander. Alléluia, c'est pas grave qu'on te méprise. Mais nous devons comprendre que nous avons une puissance. Alléluia. Qu'ils n'ont pas. Faites attention, ne vous fiez pas aux apparences. Les apparences trompent énormément. Alléluia. Les apparences trompent. Vous savez, comme ce n'est pas mon message aujourd'hui, mais la prospérité, c'est de ne manquer de rien. Tu m'as bien voiture, mais où tu vas partir, je peux partir aussi. Alléluia. Ah, le but, ce n'est pas d'arriver. Amen. Ce n'est pas d'arriver. Mais si tu es là, ce n'est pas grave. Moi, au moins, on va arriver. Je mange, tu manges. Mais si j'ai mangé le poulet graisseux de. Je ne sais pas d'où ça. Alléluia. Et que tu as envoyé le poulet. De 50 000, quand il va le poulet de 1000 fois, 1000 fois. Nous devons la manger. Tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait aussi. Amen. Amen. Est-ce que tu manques de quelque chose? Je manque de rien. Toi aussi, tu manques de rien. Moi, en tout cas, moi, je manque de rien. Mais sauf qu'à un moment, je vais te dépasser. Quand toi, tu as commencé à être suivi toute la nuit par les sorciers, les trucs là, moi, je dors à l'aise. C'est à ce niveau-là que toi et moi, on va voir qu'il y a distance. Quand Dieu va commencer à bénir ma famille, bénir ma maison, d'une manière extraordinaire, tout ce que je touche prospère. Prospère pas dans le truc d'avoir forcément du succès, mais qu'on voit la gloire de Dieu dessus. C'est là que tu vas voir qu'il y a une nuance entre avoir Jésus et ne pas avoir Jésus. Et si tu ne fais pas attention, tu vas sûrement être surpris que Dieu donne aussi. Dieu bénit. Dieu bénit. Tu vas être là sûrement, je suis là, je n'ai même pas acheté une nouvelle voiture. Et puis voilà, quelque chose se passe, j'ai une nouvelle voiture. Je suis parti en France récemment. C'est pas parce que j'ai payé un billet. Je n'ai pas payé de billet. Je n'ai pas payé de billet. Ce billet m'a été offert. Ça m'a été offert. Je n'ai pas payé de billet. Je suis parti en France comme quelqu'un qui avait les moyens, qui a un compte bien garanti. Pas parce que je suis pasteur. Ce n'est même pas une dame qui m'a donné. La grâce de Dieu. Je t'assure, s'attacher à Dieu, c'est une puissance. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a dedans. Les gens pensent que vous êtes faible. En fait, on n'est pas faible. On a reçu une puissance. Alléluia. La croix nous amène à être faibles comme Christ. Parce que Christ, pendant qu'il était en train de le tuer, il s'est dit, mais cet homme-là, mais attends, lui-là, il a osé dire qu'il était le roi des Juifs. Un gars banal comme ça. Quand il est mort, ce qui s'est passé, la terre s'est tremblée.
les morts ont ressuscité, le voile a été déchiré, et ceux qui l'ont sacrifié, après 3 jours, le voient. Qui est puissant entre les deux? Mais c'est ça, on va te prendre pour une fête. Tu vas partir en famille, on va te mépriser à cause de ton Jésus. Parce que si ce n'était pas ton Jésus, tu ne serais pas dans cette condition. Tu serais peut-être plus loin. Tu aurais accepté les compromis comme les autres pour être comme eux. On va te traîner, de traiter de n'importe quoi, te regarder de haut. Mais en réalité, tu es puissant. Un jour, je viendrai vers toi pour te prier pour moi. Parce que ça chauffe, ça ne va plus. Mon foyer, que j'ai dit que c'était que quelqu'un va te débrander toute sa bague. Oh, vous, les célibataires. Ok, elle a mélangé un homme, elle a fétiché pour le marier. Si toi, tu veux te marier, tu peux te marier. Il y a des puissants fétiches pour détourner des hommes. Amen. Tu vas souvent, tu le fais, puis tu le détournes. Mais à cause de la croix, tu te mets en position de faiblesse. Jésus était faible. On l'a frappé. On a même craché sur lui. On l'a giflé. Quand vous voyez les films et les photos où on le met avec le caleçon, il n'avait pas de caleçon. En réalité, on l'a sacrifié nu. Pendant qu'il était sur la croix, ils ont pris une épée, ils ont percé son côté. C'était le chiffon en fait. Ils ont commencé à tirer au sort ses vêtements. Ils pensaient qu'ils étaient en train de finir avec quelqu'un de faible. Ils étaient contents. Mais en fait, c'était la puissance qu'il y avait. Alléluia. La croix, c'est le prisme. C'est le prisme. C'est la faiblesse. Pour obtenir la puissance, Dieu n'élève pas ce qui a été rabaissé. Si tu n'acceptes pas d'être brisé, tu n'acceptes pas d'être rabaissé, tu ne peux pas être élevé. Jésus a été jusqu'à, je ne dis même pas jusqu'à la terre, même en dessous de la terre. Ça veut dire tellement la lumière. Lui qui était roi, lui qui avait toute puissance. Il suffisait seulement qu'il proclame une parole et que ce gars-là était brûlé, mort. Mais il ne l'a pas fait. Il a compris. Il a accompli lui-même ce message. Si Jésus a marché dans ses voies, pourquoi toi tu veux marcher ailleurs? Dès qu'on essaie seulement de te toucher pour te descendre un peu, il y a un problème. C'est pour ça que les séducteurs, ces mauvais messages flattent votre ego. Quand tu dis que tu n'es pas n'importe qui, oh, amen, amen, amen. Mais il faut que tu acceptes d'être n'importe qui pour que Dieu t'élève. Le message de la croix, c'est la puissance au travers de la faiblesse. Alléluia. Tu ne peux pas maintenant, mais tu pourras demain. Alléluia. 2 Corinthiens 13, 14. Quand il a été crucifié à cause de sa faiblesse, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Vous écoutez, Jésus a été crucifié à cause de ta faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Nous sommes faibles en lui. Mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers tous. Alléluia. Nous savons être faibles, mais nous avons reçu une puissance. C'est ça le message de la croix, le prisme. Jésus est passé par une phase de prisme. Alléluia. La croix n'est pas fondée sur la force, mais sur la faiblesse pour acquérir la force et la puissance. Elle n'est pas fondée, elle est fondée sur la persécution, sur la souffrance, pour entrer dans la gloire et dans l'élévation. Notre chair désire des choses. Nous renonçons à ça. Nous souffrons deux fois. Nous supportons des persécutions. Ce Gabon, le Gabon, ça va. Il n'y a pas de persécution aussi intense. Mais il y a des gens qui souffrent quand même dans ce pays à cause de Jésus. Mais ailleurs, on les écorche. On les tue. On les sacrifie. On les humilie. On les frappe. On les viole. À cause de la croix. Amen. Alléluia. 4. La vie. C'est 5 maintenant, bon, j'ai gardé les 4. 5. La vie à travers la mort. Ça, c'est le socle même du message de la croix. Alléluia. La Bible nous dit en Luc 9, 34. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Pour nous faire comprendre, quand dit sauver sa vie, c'est d'accorder trop d'attention à sa vie. C'est de s'investir plus dans sa vie que dans le salut, que dans son salut. Alléluia. C'est d'investir plus dans sa vie que dans son salut. Alléluia. Les gens se lavent tous les jours. Ils se peignent tous les jours. Ils mettent la parole tous les jours. Mais ils ne prient pas tous les jours. Ils ne lisent pas tous les jours. Ils mangent tous les jours. Mais ils ne jeûnent pas tous les jours. Alléluia.
la vie à travers la mort. C'est accepter de mourir. Mourir, c'est renoncer à son existence sur cette terre. D'être sacrifié pour Jésus. Si on veut vivre. Mais mourir, c'est renoncer aussi au moi. Parce que la Bible dit si la graine ne meurt, elle peut produire du fruit. C'est ça le message de la croix. On n'enseigne pas aux gens de mourir en eux-mêmes. On ne les enseigne pas, au contraire, on leur donne un message qui leur permet de se sentir encore plus important. C'est mourir en soi. C'est de renoncer, c'est de travailler de plus en plus à son humilité, à sa simplicité. C'est ça le message de la croix. Je ne sais pas qui vous suivez, mais le Jésus qu'on suit était là. Le Jésus qu'on suit s'est vidé de lui et a été rempli du Père. Alléluia. Parce que moi, je n'imagine pas comment ce grand roi, on peut lui cracher dessus et il ne parle pas. Alléluia. On peut le traiter même de quelqu'un qui traite avec les démons, pendant que lui-même, il est le premier adversaire des démons. Alléluia. La croix, c'est perdre sa vie. Perdre sa vie, c'est renoncer à soi-même, à cause de Christ. Renoncer à sa vie et se concentrer sur les choses d'en haut. Mettre en priorité nos relations avec Christ et les intérêts du royaume. L'amour du prochain, etc. Galates 2:20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire que j'étais mort avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré en moi. Qui s'est livré pour moi. Jésus a donné l'exemple en donnant sa vie. Il a donné l'exemple en donnant sa vie. Alléluia. Nous avons vu, on voit ici en Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. C'est ça le message de la croix. Amen. C'est ça le message de la croix. Alléluia. Avant de terminer, je ne vais pas aborder cela, mais on va juste regarder rapidement ce film. Enfin, pour expliquer l'autre volet que j'expliquerai demain, porter sa croix. C'est quoi porter sa croix? Qu'est-ce que cela signifie? Tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît. Peut-être qu'on ne verra pas l'audio. On n'a pas besoin de voir l'audio. Alléluia. Dans cette vidéo, il y a plusieurs personnes qui sont chrétiennes, évidemment. Tu peux lancer. Qui portent leur croix, tu peux cliquer dessus pour combien ça va sortir. Voilà. Dans celui-là, dit mon Dieu, ça pèse beaucoup. Voilà. Je vais couper un peu pour bien transporter. Il y a d'autres qui se reconnaissent. Je vais couper un peu. Donc, il transporte. Tout le monde est en train de porter sa croix. Ensuite, il va dire, Seigneur, j'enlève encore un peu une autre partie. Là, elle deviendra facile à porter. Il demande la permission même à Dieu. Il entend de couper. Oh, merci beaucoup, Seigneur. La croix est toute petite maintenant. Quand tu as fini de couper, on va voir ce qu'il va faire là. Utilisez la croix comme tu peux vous traverser. Voilà. Donc lui maintenant il est bloqué. Comment je vais traverser? Les autres ont mis leur croix sans te traverser. Et on ne prend pas la croix de quelqu'un. Dieu a dit que celui qui ne porte pas sa croix. Voilà. On ne peut pas t'attendre à la croix de quelqu'un. On a dit les croix, même quand tu finis de passer, ça disparaît. Voilà. Amen. On va arrêter là. Quand on regarde cette image, on comprend que porter sa croix n'est pas une chose facile. Est-ce que vous réalisez ça? Mais aujourd'hui, on sent présenter l'église comme l'endroit où c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est le rire, c'est le quoi. Mais c'est une mauvaise présentation de l'église. Porter sa croix, ce n'est pas une chose facile. Quand je me lève tous les jours à 4 heures pour prier, ce n'est pas facile pour moi. J'aurais préféré dormir jusqu'à 10 heures. Amen. Quand je pardonne à celui qui m'a fait du mal, sans vouloir me venger, et je me lève même jusqu'à prier pour lui, pour que Dieu le bénisse. Ce n'est pas facile. Ça va avec un cœur serré que des fois tu vas dire à Dieu, bénis-le.
Quand tu as envie de regarder des choses bizarres parce que tu as envie de les regarder et que tu ne le regardes pas, ce n'est pas facile. Quand tu vois le beau mec qui t'a arrêté hein, pour une fille, qui t'a dit ma soeur, tu es trop belle. Et quand tu vois, mais c'est le mec mais de tes rêves, est-ce que c'est facile? Tu regardes le mec là quand tu dis à cause de Jésus. Mais ceux qui coupent le morceau de la croix, c'est ceux-là qui veulent arrondir un peu les angles pour que la vie chrétienne soit moins compliquée. La vie chrétienne, elle n'est pas facile à la base. Parce que déjà, le seul fait de ce verset qui dit aime ton prochain comme toi-même, c'était trop compliqué déjà. De pardonner, d'accepter, de laisser tomber, de ne pas en vouloir, c'est dur. Mais il y a d'autres qui trouvent des raisons de justifier leur marche. Je vais expliquer demain c'est quoi porter sa croix. Mais vous devez retenir déjà que ce n'est pas une chose facile de porter sa croix. Parce que si tu n'entends pas que quelque chose soit difficile, quand elle va venir à toi, tu ne vas pas supporter. Tu ne supporteras pas. Mais si tu sais que ce n'est pas facile, alors tu supporteras. Je vous assure, dans des pays, on a attrapé des gens qu'on est en train de gorger à cause de Jésus. Toi, qu'est-ce que tu subis à cause de Jésus? Ce n'est rien par rapport à ceux qui subissent. Alléluia. Nous allons prier par rapport à ce message.